sportifs, bonjour les confinés, j'espère que vous allez bien ce soir. Oui, ce soir, lundi, premier jour de la semaine, ce soir nous sommes réunis pour une séance de cross-training. Ouais, cross-training ce soir, vous allez voir, ça va être un mix entre du cardio et du renforcement musculaire. Voilà, j'espère que les sportifs, en ce début de semaine, ben, vous avez la pêche, vous avez de la patate, puisque ce soir, vous allez voir, il va faire chaud dans votre salon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach qui s'invite dans ton salon. Oui, puisque regardez, là-bas, il y a marqué qu'aujourd'hui, nous sommes le 35e jour de confinement. Donc, ça fait 35 jours qu'on est à la maison. Donc, qui dit confinement, dit aussi peut-être petit plat préparé. Ouais, donc, ça veut dire calories, ouais, peut-être prise de poids aussi. J'échange beaucoup avec des sportifs et vous êtes beaucoup à me dire que ceux qui manquent à la maison, ben voilà, pour perdre des calories, on le sait, il n'y a pas de secret, c'est du cardio. Donc ce soir, je vais mettre un peu plus l'accent sur le cardio. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé cette séance, j'ai appelé ça le circuit training spécial confiné. Voilà, donc pour cela, tu auras besoin d'une serviette et d'une bouteille d'eau. Voilà. Ce que je vous demande, c'est si vous suivez mes cours, que vous aimez bien ce que je fais, c'est juste en dessous de partager notre live. Et pour que le live ait beaucoup plus de vues sur vos amis, vous le faites en séance vidéo. Lancez une séance vidéo et là, vos amis auront la notification que vous regardez cela. Bonjour, je vois qu'il y en a beaucoup qui se connectent. Salut tout le monde. Voilà, donc, voilà, je vous ai tout dit. Bouteille d'eau, cardio. Donc ce soir, je vous ai fait un petit thème Tabata. C'est-à-dire que nous aurons des exercices où il y aura 40 secondes de travail et 10 secondes de récup. D'accord ? 6 exercices et nous ferons 3 tours. Un premier tour pour vous montrer les exos, on va dire un premier tour de chauffe. Un deuxième tour où là, je vais donner des options challenger. Et un troisième tour où chacun travaillera à son niveau, mais le but sera de sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous êtes prêt et prête à sortir de votre zone de confort ? Ouais ? Je salue tout le Nord qui nous regarde, tout le Sud de la France, Pézenas bien sûr, et les Belges aussi, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous regardent, donc bisous la Belgique, surtout que j'ai regardé un peu la météo, et sur la carte, il fait beaucoup plus beau au Nord, et nous, on a la pluie, on a une teinte de ch'ti, quoi. Voilà, allez les amis, si tu as partagé, que tu es prêt, tu mets un pouce, vas-y, mets-moi un pouce pour montrer que tu es prêt et que tu veux commencer. Si t'es pas encore prêt, que t'as pas encore fait tes lacets, mets un pouce vers le bas pour me dire attends, je suis pas encore tout à fait prêt. Bien sûr, on va commencer notre séance par un échauffement. Je sais pas si vous avez vu notre planning de la semaine, mais vous avez un super planning. Hein. Tous les soirs jusqu'au jeudi, vous avez des cours. Donc, je vous ai mis 2 cours par soir. Ce soir, c'était Feriel qui a fait le pilate juste avant moi. Demain, ça sera Laurine qui fera la Zumba juste avant mon abdo fessier. La Zumba sera à 17h45. Voilà, c'est bon les amis? On est connectés, on est prêts? Allez, on a rempli sa gourde d'eau. On a poussé les meubles. On a poussé les animaux. Très, très important, hein, pousser les animaux. Oula, je vois Charlie qui me regarde. Ça veut dire que la Guadeloupe est là aussi ce soir. Formidable! Allez les amis, on y va, c'est parti, cross-training, on part sur une session échauffement pour commencer. Let's go! Allez la team! Ok, place-toi face à ton écran, même manche, enroule ici les cervicales. Voilà, enroule simplement les cervicales. Hop, je replace un peu, ici, voilà. Ok, même chose dans l'autre sens. D'accord. D'abord, pardon, petit réveil articulaire. On réveille ici les articulations. Hein. Ok. Reste ici, petit rebond sur place. Allez. On commence à se mettre dans la séance. Circuit training spécial confiné. Je débarque dans ton salon. Enroulez le bras droit d'avant. En arrière. On est sur place, ciseaux, regarde. Droite, gauche, j'utilise les ciseaux. Un pied devant, un pied derrière. Allez, tu maintiens le buste droit et tu tiens bien ici ton centre du corps. C'est-à-dire que tu veux gagner des abdos. Continue, continue. Alors si tu viens juste de goûter, le talon goûter sur le ventre, pas bon, hein.
en gardant bien les deux épaules face à moi. En vrai. Continue. Ok, reste rebond, on souffle, tranquille. Fléchis sur les jambes. Ok, mets mon tampa, genou coude. Voilà, maintenant on réveille ici la taille, le dos. Le but ici, c'est de venir baisser votre taille. Allez, va chercher le poulet. Continue. Je regarde moi si tu le fais bien à la maison. Si vous nous rejoignez à peine, on est dans la phase d'échauffement. Donc vous pouvez rejoindre le cours, hein. C'est un circuit training. Hein. Allez, souffle bien, maintiens-moi ce buste bien droit et ses épaules basses. Ok, reprenez les ciseaux sur place. Voilà, petit ciseau ici. Allez. Ok, pour réveiller les jambes, quoi de mieux que des squats? Oui. À l'avant pour les squats. Et les amis, ce soir, dans le circuit training, j'ai pas mis de squats. Je n'ai pas mis de squats, promis. Par contre, j'ai mis des fentes. Allez, pousse les liens en arrière, le cul vers le fond. Sans incliner le buste, hein. Garde-moi ici le buste droit. Allez, continue les squats. 15 secondes. Bas et haut. Allez. Circuit training. Ça va chauffer dans le salon ce soir. On va éliminer toutes ces calories qu'on prend pendant le confinement. Regarde, tu fais un échauffement, tu te déplaces d'un côté, tu fléchis un squat. Tu te déplaces de l'autre et tu fléchis un squat. On y va. Allez, tu gardes bien le buste droit et sur le squat ici, tu ouvres tes poings de terre. Ça va? Tu commences à être échauffé doucement. Allez, pense à bien souffler. 15 secondes et on a fini notre partie. Warm up. On ne pourra pas attaquer le travail. Allez, un dernier, tu restes. Stop. Reste en bas. 4, 3, 2, 1. Remonte, relâche les jambes. Ok. Et ne t'assois pas, hein. Bois peut-être une gorgée si tu veux, mais maintenant on attaque le circuit. Il va y avoir 6 exercices, ça va? Les exercices dureront 40 secondes. Il n'y aura que 10 secondes de récup entre les exercices. Ouais? Nous ferons 3 tours. Mais entre les tours, vous aurez une bonne récup. Le premier tour, c'est la continuité de notre échauffement. Donc je vais te montrer les exercices de base. C'est bon pour toi? Tu me suis dans ton salon? Allez! Ok, tu entendras un bip. Lorsque tu entends le bip, c'est le bip de la délivrance. Ça veut dire que c'est là à récup. Ok, on y va. Allez, premier exercice, très simple. Avec moi, montez le genou. Voilà, option, tu vas chercher moins bas. D'accord. Sinon, tu vas me chercher autour de hanche. Au niveau de ta position, tu gardes le buste droit. Aucune bascule en arrière, hein. Gagne tes abdos, il reste 15 secondes. Tu as entendu le bip? Ça, c'était le bip de la récup, d'accord? Récupère. Je te demande le deuxième exercice. Deuxième exercice. Ça sera ici, une pompe sur les genoux, tu montes sur demi-pointe et une rotation. Et on alterne côté droit et côté gauche. Prêt, hop, partez. Allez, go. Pompe, rotation. Pompe, rotation. Fais bien le mouvement en entier.
continue. Bas. Sur la porte, si c'est trop dur, tu me rapproches tes genoux. Et tu montes sur demi-pointe sur la rotation. Je montre l'option. Voilà, allez, tu me gagnes bien tes abdos et tu restes avec moi 15 secondes. Allez! Alors, les amis, je me suis un peu embrouillé avec le timer. Vous n'entendrez pas le bip, c'est moi qui vais le faire. C'est les aléas du direct. Allez, le dernier. Un. Et un second. Et bip! Récupère, récupère. Ok, nous passons maintenant au troisième exercice. Ouais, le troisième exercice, ça sera le travail de fente. Ok, on y va, c'est parti. Ici, fente alternée. Allez, je vous ai dit, il n'y a pas de squat, par contre il y a des fentes. Je lance le plus loin derrière. Amenez mon jambe à 90 degrés. Allez, le buste droit, les épaules basses. Continuez, continuez. Je viens de voir qu'il y en a qui me disent que je suis trop près. Alors je vais reculer un peu. Voilà. Ça va mieux ici? On me voit mieux, ouais. Allez, 7 secondes. Ok. Cinquième exercice. Quatrième exercice, pardon. Chez toi, si tu as un mur plat, il va falloir utiliser ce mur, ça va? Si tu n'as pas de mur, tu pourras le faire aussi, ouais? Allez, on y va, je te montre l'exercice, regarde. Tu te mets ici, sur le mur, en position chaise. Sans chrono. Voilà, le dos bien plaqué, les abdos gainés. Si tu n'as pas de mur, ouais, et que tu es comme Jean-Claude sur la plage du Cap-Agde, tu le fais comme ceci, ça me dure. Alors là, on a encore le travail musculaire, mais le cardio lui récupère. Puisque sur le prochain exo, tu auras besoin de tes poumons et de ton cœur. Les amis, 5 secondes, 5 secondes. Waouh! Waouh! Ok, cinquième exercice. Il en reste deux, après c'est la récup. Regarde, je te montre. L'exercice c'est 5 sprints et 1 jumping jack. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, jumping jack. Ready? On y va! Les confinés, top chrono! Hey. Sur le jumping jack, tu ouvres bien tes pointes de pied vers l'extérieur. Ouais, ça c'est pour tes genoux. Et tu montes ici tes mains au-dessus de la tête. Par contre, les 5 pas de sprint, c'est rapide, rapide. Hein. Suis-moi. Hein. Ça va, 5. Ça va monter jusqu'à 5. Moi, j'arrive. Pour notre sixième exercice avant la récup, récupère un tapis. Voilà, ici. Si tu n'as pas de tapis, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire aussi comme ça. Ok, on y va, regarde. Lâche tes mains ici, tu pousses et tu ramènes. Qu'est-ce qu'on travaille là, les amis? Les abdominaux. À souffler, voilà, à garder tes épaules basses, hein. Le travail est ici, hein. La tension est dans le centre du corps. Imagine que tes genoux et tes pieds sont attachés ensemble. Si c'est trop dur, finis allongé, mais reste avec nous, termine, jusqu'au bip. Wow, stop, récup, premier tour, terminé, ouais. Donc, premier tour terminé, ce que tu fais, c'est que maintenant tu vas
boire un petit coup, ok? Ça va? Mettez-moi des pouces si ça va et si vous êtes toujours avec moi, puisque je ne vois rien sur mon écran, ouais? Ok les amis. Ok. Le deuxième tour, nous aurons besoin de rien du tout. Merci Céline de mettre un pouce, ça veut dire qu'on est encore là. C'est bon, ok, super, tout est nickel, parfait. Vous me rassurez, je croyais que je vous avais perdu les amis. Seule face au téléphone, je ne vois rien du tout. Deuxième tour, je vais donner les options pour les challengers, ok? À vous de voir, vous pouvez garder le tour comme il est. Je vois qu'il y a Gaël, il y a toute la team, super. Allez, les amis, on y va. Est-ce que vous vous souvenez du premier exercice? Non? Montée de genoux. Deuxième tour. Allez, on y va. Top chrono, montée de genoux. Oh. Allez, tu montes les genoux, souviens-toi ce que je t'ai dit. Le buste légèrement vers l'avant. Option, va chercher Wenpo, mais c'est interdit de s'arrêter. Tu commences avec 10, tu finis avec 10. Allez, 8 secondes, go. Ok. Deuxième exercice, c'est la pompe de rotation. Mettez-vous en position. Maintenant, descend le cœur. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, pompe et rotation, option pour les challengers, nous le ferons sur une pointe. Sinon, vous faites comme au premier tour, vous me posez les genoux sur les pompes, mais vous le faites avec moi. Oui Leslie, tu fais les pompes, allez. Allez, bien aider le sein du corps. Allez, au niveau du time, c'est les dernières secondes. 5. 3e exercice de ce deuxième tour. Ce sont les fentes. Vous savez ce qu'on dit? Avec les fentes, l'amour augmente. 3, 2, 1. Et je vais pouvoir descendre, hein. Pleine amplitude, hein. Ce genou devant, bien à l'entrée d'un point de pied. Allez les sportifs, option challenger. Nous ferons les fins de sauter. Aide-toi de l'élan de tes bras. Pousse les bras quand tu sautes vers le plafond. Voilà, léger. Envoie le toit. Attention, 3, 2, 1, go, chaise. Ok, soit tu restes ici à la chaise, ouais. Sinon tu peux rajouter la difficulté avec moi. Sans tenir le mur, tu tapes une jambe et tu reviens. Tu tapes l'autre jambe et tu reviens. Une jambe et l'autre jambe. Essaye de bien fixer ton buste, sans basculer de chaque côté. Elle est pas mal cette idée, hein? Ouais, on le sent bien le renforcement musculaire sur les jambes là. Allez, 2 secondes. Hein. Et il nous reste 2 exos et ça sera ta récupération. Ok? Les 2 derniers exos, les sprints et le jumping jack. J'ai un peu chaud, hein? Et vous? Ouais? Allez, on y va! Position, 3, 2, 1, top. 5 sprints, jumping jack. Compte, 1, 2, 3, 4, 5, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, jumping jack. Ok, tiens bien le mouvement, compte.
continue, continue, ne t'arrête pas. Ouais. Maintenant, applique-toi sur la technique. Va peut-être chercher un peu plus bas sur tes jumping jacks. Fléchis sur tes jambes. Et garde-moi du rythme et de la vitesse dans tes sprints. Je rappelle, hein. Cardio, cardio. On brûle des calories ce soir. Allez. Dernier, les crunchs assis. Ouais, récupère ton tapis. Après, c'est la récup. Allez, allez, rejoins-moi. Go, go. 3, 2, 1, top chrono. Option challenger. Sans poser les mains. Gardez les mains dans la poitrine. Hein. Maintiens ce buste droit. Hein. Et surtout ce dos droit. Hein. Allez. Les dernières secondes. Je te demande de tenir 10 secondes. Jusqu'au but. Ok, on fait les calculs. Combien avons fait nous? Combien avons fait nous? Ça y est, je n'ai plus les idées claires. Combien avons fait de tours? Combien on a fait de tours? Ouais. On a fait deux tours. Il nous reste un dernier tour, ça va? Le dernier tour, je vous ai donné toutes les consignes de placement. Chez toi, tu travailles à ton rythme. Moi, je vais beaucoup moins parler puisque je vais jouer le jeu comme vous. Dans ce dernier tour, c'est 40 secondes d'effort, 10 secondes de récup, mais on se challenge. Tu as 6 exercices et après, c'est fini. Ok? 6 exos de 40 secondes. L'objectif, sortir de sa zone de confort. C'est bon? Tu as bu un coup? Tu es avec moi? Ok, allez, tu te places. Allez la team, allez mes sportifs confinés, pour notre 35e jour de confinement, 3, 2, 1, top chrono, premier exo, montez le genou, go, allez. Allez, ok, ici tu vas sentir ton cardio monter, mais tu vas rester dans le mouvement. Ouais, tu t'accroches. S'il faut, tu ralentis ton jeu de jambes. Mais tu lâches rien. On est des warriors, on est confinés. Go, go. Je me challenge avec toi, la team. On ne s'échappe pas. 5 secondes. Wow. En position, banque de rotation. Deuxième exo. On fait descendre le cœur. Même place que les épaules. 3, 2, 1, go. Pump up. Rotation. Travaille à ton rythme. Chop. Chop. Allez. Abdos dégainés. Pleine amplitude. Tu descends les deux bras à 90 degrés. Le buste proche du sol. Écrase les pommes de main. Chut. 10 secondes. Fini, fini. Wow. Les fentes. Puisqu'avec les fentes, la team, la roue augmente. 40 secondes de fente. Alternez. Ou sauter à toi de voir. 3, 2, 1, top chrono. Dans les deux cas, je me descends les jambes à 90 degrés. Ouais. Je le fais. Alors tu le fais avec moi. Une seule team. La team déconfinée. Oh, la semaine commence bien. Fini.
jambe et tu reviens. Et tu alternes. Ah. Profite pour faire descendre le cœur. Ventile, ventile. Et après ça, deux sections de 40 secondes et c'est fini. Ha. 7 secondes. 7. Circuit training
c'était dans notre séance circuit training ce soir. Je sais pas chez toi, mais ici, à la salle des confinés, il a fait très très chaud. Demain, ça sera une séance de cuisses abdo-fessiers. Juste avant, à 17h45, vous retrouverez Laurine pour une Zumba endiablée. Mercredi, il y aura du pump et du stretching avec Feriel. Et jeudi, ça sera une soirée Zumba. Ouais? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, puisqu'on a changé le matériel de tournage, donc nos caméras. On a changé aussi la disposition du club. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez vu qu'on a un peu changé l'emplacement. Voilà. Moi, ben, je vous dis salut la team. J'ai lancé un nouveau défi qui s'appelle le Poirier Gobelet Challenge. Vous le retrouvez sur YouTube. Vous tapez Poirier Gobelet Challenge. Et c'est un nouveau challenge que j'ai lancé cette semaine. Vous m'envoyez les photos, les vidéos surtout avant vendredi. Je fais un petit montage sympa. Vous allez voir sur la page YouTube J'y suis. Et en fait, vous verrez là toutes mes vidéos. Et tous les cours que je fais ici, je les coupe et je les mets hop, sur la page YouTube. Voilà, et vous l'aurez en meilleure qualité. J'espère que la qualité ça a été ce soir. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vois qu'on me dit merci Fanny, Lisa, bisous à vous. Bisous ma team. Et gardez la patate, 35e jour. On est confiné mais on n'est pas enfermé puisqu'on est là. Allez ma team, je vous souhaite une bonne soirée. Jaco aussi vous souhaite une bonne soirée. Et pour Jaco, Jaco, il n'a même pas transpiré. Bonne soirée, bisous, bye.